Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Jesus. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch from the Master. I need a touch from the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, touch me one more time, oh Lord, yes Jesus. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch from the Master. I need a touch from the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Dans le livre de Marc, chapitre 8, les versets 22 à 25, la Bible nous parle d'un aveugle qu'on emmena à Jésus. Jésus toucha cet aveugle afin qu'il puisse recouvrer sa vue. Mais lorsque Jésus l'eut touché la première fois, Jésus lui a posé cette question, « Que vois-tu ? » Il a dit, « Je vois des hommes comme des arbres. » Cela signifiait qu'il ne voyait pas très bien. Jésus l'a touché une deuxième fois et il vit de manière claire, très claire. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez que l'Éternel vous touche. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous submerge. Je ne sais pas quelle est cette difficulté, quel est ce problème dans les études, dans votre mariage, dans vos affaires. Vous avez tout essayé. Comme la femme à la perte de sang, vous êtes allé vers plusieurs médecins à cause de cette maladie. Mais rien ne s'est passé. La femme à la perte de sang a dit, « Si je puis seulement toucher le pan de, son vêtement, je serai guérie. » Quel est le domaine dans lequel vous voulez que l'Éternel touche? Qu'est-ce que vous voulez que l'Éternel touche dans votre vie? Dans votre foyer, ça ne va pas. Les choses vont de mal en pire. Vous voulez que l'Éternel touche ce domaine. Dans vos affaires, rien ne marche. Vous allez d'échec en échec, de perte en perte. Vous voulez que l'Éternel vienne toucher vos affaires. Dans votre santé, ça ne va pas. Vous voulez que l'Éternel touche. Alors avec moi, je voudrais que vous dites, Seigneur, touche-moi à nouveau. Touche cette situation, dites la situation que vous traversez et demandez à l'Éternel de vous toucher. Luc 1, le verset 37, la Bible nous dit « Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Rien ne lui est impossible. Il peut faire toutes choses. Il est le Dieu des situations compliquées, des situations bizarres, des situations qui n'ont pas de forme, qui sont comme l'abîme. Il est ce Dieu-là qui peut apporter la solution. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide, c'était un chaos. Sûrement que votre situation est comme un chaos. Et vous ne voyez pas de voie de sortie. Vous ne voyez pas de solution. Dites seulement à l'Éternel de vous toucher.
Je voudrais vous encourager vraiment à vous ouvrir à l'Éternel, afin que l'Éternel vous touche. Afin que comme cet aveugle que Jésus a touché une deuxième fois, que vous puissiez sortir de cette situation, que vous puissiez recevoir la guérison, que vous puissiez voir votre problème être résolu, que vous puissiez recevoir la paix, l'amour que vous recherchez, le réconfort auquel vous êtes en train de courir après. Que la touche de l'Éternel vienne sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Touch me one more time, oh Lord. Tu peux chanter avec moi. Touch me one more time, oh Lord, dans ma situation. Touch me one more time, oh Lord, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch from the Master. I need a touch from the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Alors recevez la touche divine de l'Éternel dans votre situation. Recevez la guérison que vous recherchez. Recevez la paix de Dieu. Recevez la solution de l'Éternel. L'Éternel vous touche. Passez une agréable journée. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom à vous. Amen.